Dans la rivière Songa au nord du pays, les épis et barrages érigés pour dévier le courant d'eau vers les passes à haut risque de Souaz en période de basse eau n'ont pas produit les résultats escomptés. Près de 10 barrages et épis de type castor ont été construits à cet effet à partir du kilomètre 170 jusqu'au kilomètre 440 en partant de Moussaka. Les travaux de construction de ces ouvrages ont été réalisés par le service commun d'entretien des voies navigables sous le contrôle d'un ingénieur des travaux fluviaux du bureau d'études hollandais Asconing BV. L'objectif était de ramener les flux vers des passes jugées difficiles en période de tillage afin de favoriser l'autodragage des seuils. Malheureusement, 20 ans après, par manque de suivi et d'entretien, l'expérience a produit des effets contraires. Le courant d'eau a refusé la direction lui imposée par le plan directeur de l'étude et a fini par casser des ouvrages et à reprendre sa direction initiale. Aujourd'hui, au lieu que des bancs de sable apparaissent devant les ouvrages comme souhaité afin de dévier les débits vers des passes, on assiste plutôt à un phénomène contraire. On a essayé de forcer la nature pour que l'eau s'oriente vers l'ouest. Malheureusement, il y a eu effondrement et puis bon, tout le courant passe maintenant dans le barrage. Il faut reprendre les études pour renforcer cet épi. Composés pour la plupart des rails d'acier verticaux, ces ouvrages sont aujourd'hui devenus, à certains endroits, des obstacles à la navigation. Tous ces barrages qu'on a eu à mettre sur la Sanga, c'est maintenant les passes importantes où l'eau se dirige. Comme on ne peut pas mettre la passe là où sont les barrages, donc il y a un problème qu'il faut les dérocher. Au regard des profondeurs obtenues dans les sites abritant ces ouvrages, leur démantèlement s'avère nécessaire. La société Aegis, sur un financement, programme d'économie régionale de la CEMAC, sur financement de l'aide budgétaire française, a réalisé une étude d'un projet qui s'indique appui au GIESVN. À l'intérieur de ce projet, il y a une composante qui s'appelle DAO sur les barrages Castor. Et ce DAO qui est actuellement à la B2AC, c'est chez elle qu'est logé l'argent et qui doit permettre, si vous voulez, de lancer les appels d'offres cette année et de désigner une société qui viendra enlever tout ce que vous avez pu voir dans votre descente comme gêne de la navigation. Ces épis et barrages, une fois démantelés, ces sites pourront être balisés pour servir de chenaux de navigation en période de tillage.